Bienvenue à cette toute première capsule culturelle qui vous est présentée par le Centre culturel et communautaire Henri Lemieux, arrondissement de la Salle et Radio La Salle. On est en direct d'Annecy et on s'en va rencontrer Belles et Brutes, bande de théâtre, qui vont nous parler de Mr. P. Monsieur Patate? Ah oui? En répétition. Allez, on va aller voir. Now she hit the big time in the USA. Moi, je fais la musique et je fais aussi de la régie avec mes pieds. Je déclenche les cues d'éclairage et de projection avec mes orteils, tout en jouant du piano et d'autres bébelles de toutes sortes. Je suis en partie Monsieur Patate. On a écrit le spectacle ensemble, donc écrivain, j'ai réalisé la vidéo. On est multi-multi, on fait de tout. On fait de tout dans ce spectacle, même fabriquer des accessoires. Moi, c'est pas mal la même chose que Jocelyn ici, donc co-écrit le spectacle. Et je suis en partie Monsieur Patate. Oh! Et à un moment donné, la pilule est tombée par terre. Je m'en suis rendu compte. Mais s'il ne prend pas ses pilules, on ne comprend pas, tu sais, qu'il y a une dépendance. Cette dépendance, ce soir-là, ça a été... Jocelyn, non, pas les pilules, pas les... La bouteille. Ah, c'est bon, là. Il a bu toute la soirée. Beaucoup plus. Mais la bouteille est vide, rassurez-vous. C'est pas pour les enfants qu'on a dit. J'avais eu le fantasme de créer un numéro de Monsieur Patate avec Mexico. Donc, au départ, c'était beaucoup du musical. Puis, en travaillant avec Eric, ben on a écrit une trame dans laquelle on voulait faire un peu comme les biopics. Donc, vraiment montrer l'ascension et la chute. Comme c'est très actuel que les gens veulent tous devenir un Star Academy, une voix de ce monde, ben il y a tout quelque chose qui nous interpelle dans ce personnage-là qui a peut-être des grandes envies pour lui, beaucoup plus que le Star System, parce que ça, c'est le rêve. C'est le rêve américain, mais c'est sa fragilité, en fait. Puis c'est une patate, fait que c'est fragile, une patate. Pour plus d'informations, www.cccchl.ca. Mr. P, un spectacle à ne pas manquer, 30 octobre, 20h. Oh, thank you very much.